Nous sommes au Symposium des arts de Rivière-Éternité et je suis en présence de M. le maire Rémi Gagné qui non seulement s'occupe d'être présent durant l'événement, mais également est en train de développer des talents d'artiste. Monsieur le maire, merci d'accepter cette rencontre. Merci à vous. Bienvenue dans notre municipalité. Merci beaucoup. Dites-nous un petit peu, quelle est l'inspiration derrière ce symposium qui attire une série d'artistes de qualité? Bien, quand on a commencé le symposium, c'était avec Mme Delante Fortin, qui était conseillère à l'époque. Et il y avait des symposiums qui se faisaient à Lanserin et à Petit-Saulnay. Et quand elle était venue me rencontrer, c'était une artiste elle-même, puis elle m'a dit, « Monsieur Gagné, il faudrait faire notre symposium aussi, parce qu'il en profiter pour les municipalités dans le Bas-Saint-Denis. » Puis moi, j'avais dit à Mme Fortin à l'époque, « Oui, je suis d'accord, mais il faut que ça soit différent des autres. Il faut attirer une autre sorte de clientèle qui ne viendrait pas dans nos municipalités. » C'est pour ça qu'on a choisi des artistes contemporains. D'accord. Et puis là, vous célébrez maintenant le 10e anniversaire, ce qui veut dire que vous avez déjà derrière vous une collection d'artistes qui sont venus dans la région, qui ont bénéficié de l'accueil des Saguenayens pour présenter leur travail. Oui, puis on fait le devoir d'acheter notre présidente d'honneur. À chaque activité, on achète un tableau de la présidente d'honneur qu'on met dans notre édifice municipal, qui est bien garni de beaux tableaux, de belles œuvres. D'accord. Puis aujourd'hui, vu que c'est le lancement, j'ai invité tous les artistes, parce que c'est tous des présidents d'honneur, les inviter de venir voir l'étoile à l'Hôtel de Ville ce midi. Ah, de revivre l'expérience de leur visite à l'époque exposée dans l'Hôtel de Ville. C'est ça. Puis là, ben, je disais ce midi qu'il y a beaucoup de monde parce qu'on a été éprouvés par les épreuves cet été. Et j'ai eu beaucoup de monde à mon hôtel de ville. Il y a beaucoup de monde qui ont vu les œuvres d'art de ces artistes-là. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la population de Rivière-Éternité sont un peu tous artistes avec le festival de Noël et les activités que vous avez à différentes occasions durant l'année? Je peux vous dire que lors des expositions de crèches qu'on avait dans tout ça de l'église, on peut dire que 90 % des gens faisaient des crèches en avant de la maison. C'est presque tous des artistes. Là, ça l'a distingué Rivière-Éternité, comme ça fait connaître à cette échelle-là. Les gens ne nous appelaient pas Rivière-Éternité, ils nous appelaient le village des crèches à l'époque. Et là, je vois que vous mettez la main à une toile actuellement, donc vous êtes en train de tester vos talents d'artiste vous-même. Oui, parce qu'ils m'ont demandé d'être un peintre d'un jour. Et j'ai accepté l'invitation. J'ai eu un bon professeur qui me fait faire une toile mercredi. Et là, ben, je pensais que la toile allait être toute petite pour aujourd'hui, mais il aurait grandi. Ça veut dire qu'on était bien parti mercredi et qu'on pouvait aller plus grand. Alors, M. Gagné, je vous remercie beaucoup de l'entrevue et bonne chance à votre événement. Et merci à la municipalité d'être aussi impliquée dans le domaine des arts. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon séjour chez nous. Merci.